Nous, toute journée, je dis, on utilise Internet chaque jour. Et je pense que c'est une barrière que nous faisons régulièrement. Et depuis le fait jour, en pile, nous prenons le téléphone et nous commençons à utiliser. Nous disons, si nous avons utilisé l'ordinateur, nous accéder avec quelle que soit la plateforme que nous avons besoin sur Internet. Là. Donc, il y a une barrière qui est importante, qui est primordiale lorsque vous utilisez Internet, c'est la sécurité. Okay, pour protéger tout, information personnelle ou données ou information et qui a rapport avec les transactions que vous faites online, quel que soit ça qui a rapport avec données personnelles ou donc vraiment important pour un cas protégé, spécialement dans le monde digital, dans le genre que ça a évolué. Je dis un cas remarqué sur Internet, là, spécialement sur Facebook, dans la communauté noire principalement, il y a un pile de monde qui est victime de ça, de monde qui a scam, de monde qui a fait voyer pop, de monde qui a fait ci, qui a fait ça. Il y a victime de hacker, il y a victime d'une équipe, l'autre bagaille. Ou même tout cas, il y a une victime, enfin, un monde qui essayait et soit et entrer, pour lancer avec un tout, bien sûr, quelle que soit l'autre forme. Dans cette vidéo, ça, et pas inquiéto, nous parlons de série de outils qu'on peut utiliser pour protéger tout. Nous parlons pas seulement des outils, mais à profiter. Partager ensemble avec tout, avec tout, des séries d'informations qui sont intéressantes pour qu'on mette en pratique pour protéger tout le monde à utiliser Internet. Là. Et les outils, ça, on garantit sous utiliser exactement les gens qui vont le montrer comment outils pour utiliser, on va être capable de protéger tout. Et une barrière qui est importante pour comprendre tout, c'est que l'impossible pour protéger tout à 100% sur Internet, là, mais ou capable de faire le maximum que possible pour protéger tout et fonctionner pour toujours être un jour pour connaître ce qui s'est passé dans le monde là, et dans le monde Internet là, spécialement pour protéger tout contre différentes menaces qui existent. Pas oublier et abonner à la chaîne là, si ça a aussi des célébrités qui intéressent et puis on rentre d'emblée dans 5 outils que nous avons parlé pour protéger tout. Merci parce que vous êtes branché et pour continuer à regarder les vidéos pour rentrer dans les 5 outils. Premier outil que vous avez besoin pour protéger tout le monde, c'est un VPN. VPN. En anglais, c'est Virtual Private Network qui s'allie. Ça, c'est un outil qui permet tout et changer adresse IP ou qui permet tout changer location ou qui permet tout cacher et qui ça que vous même fait sur Internet, l'activité que vous avez réglé sur navigateur que vous avez utilisé. Moi, allez, fonction, moi, utiliser moins de termes techniques possible pour capable comprendre l'importance et puis qui ça, yon VPN fait. On dit par exemple, nous monter sur Google, ok? Automatiquement, que vous montez sur Google, Google, il détecte que peut-être que c'est en Haïti que vous y êtes, si dans le moment, c'est Haïti que ou monter sur Google. Une fois que vous montez sur Google, quelque soit la recherche que vous faites, il y a bas recherche en résultat en fonction de l'utilisateur qui en Haïti qui fait même recherche ensemble avec vous et puis moun tout qui mettait des séries de publications qui ont rapport avec Haïti. Recherche que vous même vous faites en Haïti, moi-même pendant ma machine, je fais recherche ça, moi je n'ai pas besoin de même résultat avec à 100%. Donc une fois que vous même utilisez VPN, vous avez une possibilité pour vous joindre un nouveau adresse IP qui change location côté que vous y êtes et qui a tout caché différent que différents sites internet que vous même ou utilisé avec VPN. Il y a différents VPN pour utiliser, il y a qui gratis, il y a qui payant tout, mais même a toujours considéré nous prenons un VPN qui payant parce que il y a plus sécurité dans ça pour aider ou protéger données ou protéger activité que vous même a fait online. On va pas parler comme ça sans pas ban quelques exemples de VPN nous aller ensemble partager et comment ensemble avec nous là pour montrer nous différents et VPN qui existent. Bon, on va partager comment tout de suite là, OK. Donc abou là, nous comment là, bon moi dit bon moi aller sur Google taper top VPN, OK. VPN pour avoir ici, ok. Donc après que j'aime ce lien, le résultat moi ça c'est monté en chinois, ok. On va cliquer sur ça là par exemple, ok. Ou après marquer que et premier ça veut dire c'est changer IP to stay safe with the 7 best VPN, ok. En premier lieu Express VPN que c'est lui même moi ça c'est utilisé, ok. Express VPN c'est une meilleure VPN que moi qu'on utilise. Non seulement lui permet de protéger et adresse IP, lui permet de cacher qui activité qu'il va faire, mais en même temps tout est vraiment intéressant le que vous besoin accéder avec des séries de contenu qui réservé spécialement pour le pays. Ça c'est une autre vidéo liée, mais on continue. Gain Cyber Ghost qui sont l'autre VPN qui vraiment intéressant. Il y a pas avec access, il y a IP vanish, il y a pas avec VPN, il y a une autre VPN, ça sont l'autre VPN que moi-même personnellement utilise, moi essayer mon équipe en tout, ok. Gain Surfshop. En fait VPN quoi, utiliser aucun cas à profondir vos recherches pour qu'on ait qui VPN qui est bon pour utiliser en fonction des besoins, mais dans ça que nous avons mentionné dans la vidéo en termes de protéger tout et cacher IPO pour utiliser Internet en PCF, eh bien, vous pouvez choisir ExpressVPN, moi-même, je considère comme une qui meilleure VPN. Si vous avez accès à ExpressVPN, moi, j'ai un lien dans la vidéo, vous cliquer sur lui pour aller et me garantir que vous possibilité pour jouer 30% et discount, les que vous-même utilisez, lien affilié ExpressVPN, que moi mettez en bas vidéo. Deuxième outil pour protéger tes online, qui c'est l'un des outils moi je pense qui est plus intéressant, c'est un navigateur qui permet tout, qui tout bon et premièrement, il change IP, il fait même ça VPN a fait pour vous. Et en même temps, tout les bloquer différents sites web qui sont capables de track l'activité que vous avez fait sur Internet là, ou du moins d'essayer le gouvernement qui a track ou même qui sera fait sur Internet là. Deux navigateurs, ça aussi, c'est Tor, ok, je vais partager quand même ensemble avec vous. C'est Tor et puis ensemble avec Voye, que moi personnellement utilisé, bon, je vais partager et quand même bien rapide ensemble avec vous là, pour vous montrer. Voilà. Ok, vous pouvez remarquer là, mon souci Tor, ok, c'est torproject.org, ok, c'est lui-même et qui est censé être une des meilleures boîtes, qui tout offre ou, et même ça que VPN a fait, ça veut dire les bons nouveaux IP, les que vous avez navigué, ok, mais il y a ça la seule différence, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas choisi qui côté vous avez utilisé, puis ça, qui en fait, vous choisi qui côté pour prendre, puis on est juste bon bail comme si qui. Et comme des attaques Windows, ok? Et les disponibles pour différents et plateformes, Windows, macOS, ok, Linux et Android, ou quand monter ou just download là, ok, sous lien, ça on va mettre le lien en bas de la vidéo en cours, ok? Et puis, avantage que le lien, c'est que par exemple, quel que soit le site que vous montez là,
Par exemple, si je fais une recherche mal sur toi, je fais une recherche même si je fais sur Google, je vais saisir que l'angle balance en langue que je ne connais pas du tout. Ok, et c'est en fonction de IP address que libre moins. Hein. Si on gouverne un track ou on bagaille comme ça, ou de quelque sorte, ou bien on advertise un café publicité online qui utilise et moi, et puis au jour où activité, ou cliquer, sur Facebook, sur ça, sur site internet, yo, et bien, plateforme ça, ou cap, et bloqué, ou cap, empêcher que plateforme ça, ou yo suivre, ou tracer, tout ça que vous même fait sur internet. Bon, montrez-nous un exemple, c'est ensemble avec Brive, Kounia là. Ok, Kounia là, m'sou Brive là, ok, bon, Brive là, pour nous, ok. Une fois que je vais sur Brive, je vais montrer un bail qui est bien simple. Qui est la raison qui fait que moi choisi Brive pour une nouvelle que je vais utiliser spécialement? Les moyens de faire des bails que je vais pas soit site, track, moins, soit quelque soit l'autre bagage. Moi, je vais marquer là, ouais. Il y a 45 643 trackers en ads, bla. Ça veut dire, ça c'est quantité site web, quantité robot, quantité et monde qui a fait publicité sur Internet, là, qui a qui a besoin de activité, et bien, navigateur, ça veut dire permettre que même, moins bloqué. Et je vais montrer ça bien simple, par exemple, si je vais aller sur Etsy là, ok. Une fois que je vais sur Etsy, je vais montrer comment même je vais bloquer. Et tracking. Une fois que vous arrivez sur Etsy, et on dit, on clique sur n'importe qui bagage là, ok? Ok? On clique sur Home Deco, on navigue normalement, on va aller là, on va prendre ça là, ok? Ça veut dire moi-même pas dans la ligne off, mais automatiquement que je m'active, ok? Où est-ce que ça passe? Une fois que je m'active, il vient de joindre que Guillon ou non robot, ok? Yon robot qui a track et activité moi sous plateforme Etsy. Donc, c'est la raison pour laquelle vous obligez d'utiliser plateforme ça pour capable protéger tout sous Internet. Là. Troisième moyen pour protéger tes données sur internet là, c'est utiliser un mot de passe et manager, ok, un mot de passe et qui une plateforme qui permet de protéger, qui permet de stocker tout mot de passe que vous même cap gagner, si ou même on son cap utiliser et un seul mot de passe sur tout site que vous gagne. Et me garantis on connaît en pile là qui a regardé vidéo ça, c'est ça que nous fait. Nous on grain password, on grain mot de passe pour toute plateforme que nous utiliser. Et bien et ou cap remarquer moi mettons un site là pour nous qui c'est robot fort. OK, bon et il parle en chinois là, bon moi si m'a changé l'anglais pour nous. OK, bon mais on met en français. Ça que plateforme ça lui même il fait. Li permet de créer une password générale, ok? Password générale ça c'est lui même qui que c'est lui même qui password qui mot de passe compte ça que même gagne. Et puis en dans compte là pour capable stocker tout le mot de passe gagne tout le site web que on va utiliser toute l'autre application que on va utiliser et sous device ou. En prend exemple, ou gagne un mot de passe pour Facebook ou un mot de passe pour email ou un mot de passe pour une autre plateforme, et bien plateforme ça lui permet ou enregistrer mot de passe ou même besoin songer ou ou même juste besoin songer. On gagne password qui c'est password et plateforme dans password ou robot form et c'est bon. So, c'est une barre qui est vraiment intéressant avec lui, c'est parce que lui permet tout non un seul clic, ok, ou juste mettre green mot de passe que vous gagnez et puis lui bow mot de passe l'autre plateforme comme ça, il permet tout et login sur plateforme ça automatiquement, ok. L'autre avantage que lui gagne encore c'est que lui génère password pour par exemple soit créer un compte, une fois qu'on arrive sur compte et sur plateforme que tu as créé compte là dans page et enregistrement, lui propose au mot de passe pour même qu'à mettre et sur site là et puis tout enregistrer les pour prochaine fois à login ou juste mettre mot de passe général c'est mot de passe pour forme là et puis bâton chocolat. Donc ça c'est un autre bagage encore qui est vraiment intéressant parce que ça arrive c'est que en pile nous le fait que nous parlons de mot de passe, nous avons tendance à utiliser un seul mot de passe, et ça qui a et aller dans sa théorie d'Amelyore Bridge, ok, côté que et le fait qu'on utilise même mot de passe pour toute plateforme, qui vient facile pour entrer, gagner accès avec la plateforme que vous utilisez sans problème, parce que vous utilisez un seul password pour tout, et nous avons mis ça dans la description vidéo. Quatrième façon que vous pouvez ajouter une autre façon pour protéger tout, protéger l'information données personnelles online, c'est 2FA, ok? Two factors authentication, ok? Et pour qui raison ça a lui-même l'important, c'est parce que lui permet d'ajouter une autre couche de sécurité, les que vous même connecté sur une plateforme donnée. En nous prenant exemple, que vous même connecté sur Facebook, le fait que vous même activez 2FA, ok? Lui vient permettre de recevoir un code soit sur téléphone ou soit sur email ou qui est capable de faire ou aller login. Donc, il veut dire, on mon individu qui a peut-être bien accès avec votre password, il n'a toujours pas qu'à connecter parce que ou après recevoir un code sur email, il faut cliquer sur un code ça pour lui même capable de connecter. Donc, pour éviter tout et c'est avec compte même sur travers mon passe même sur mon dernier accès à mon passe il est important en pile pour nous activer tout FA1 qui c'est un bagage qui vraiment important les que vous même gain compte sur plateforme online yo. Pour finir cinquième et outil hein, c'est son bagage qui bien simple lié c'est utiliser les de plateforme les Snapchat qui gain un niveau sécurité qui est encrypté par exemple WhatsApp même penser WhatsApp qu'on a encrypté signal tout encrypté c'est des séries de plateforme qui permettent nous chat en toute sécurité côté que nous connaît pas gagne l'autre monde qui va garder message pas l'autre monde qui va garder information nous pas gagne l'autre monde qui va accès garder information et c'est une raison monde nous même mes amis qui a utilisé l'autre et système qui utilise WhatsApp comme si pour par exemple pas connaît gagne récemment tu vois pile nous t'a parlé de lire ce que lui fait etc pour utiliser qui c'est on l'autre version WhatsApp que nous fait qui existe que nous installer sur téléphone pour utiliser me penser pas utiliser plateforme ça parce que yo pas sécurisé les que nous même là chat parce que dans chat là et puis on a les conversations, on a accès à la conversation, ok, les accès avec tout ça que nous avons partagé, données, fichiers, images, etc. Donc, utiliser plateforme messagerie qui safe, ok, qui est encrypté, donc qui est capable de permettre tout et parler avec famous amour
safe sans que ou même ou pas et mettez tout en danger contre menace qui gagne sur internet là qui était ces scams qui était ces fraudes etc. Pour nous finir et pendant que vous utilisez et tout outil ça l'important pour connaître que tout outil ça va utiliser n'est pas dit que vous pouvez rester safe sur internet là parce qu'il y a un pile moyen pour monde attaquer sur internet là vous utiliser on bagaille que moi ca bah comme conseil c'est toujours faire ce que vous êtes up to date OK vous êtes à jour dans tout ça qui vous a fait avec application que vous utilisez tout ce que vous utilisez garder toutes nouvelles informations que vous voyez et est-ce que vous supposez font update est-ce que vous supposez faire si pour capable toujours faire utiliser différents outils pour protéger tout j'aime sur parler dans vidéo hein, et fait plus recherche pour connaître telle plateforme à utiliser comment pour protéger donc comment protéger information personnelle ou ensemble avec et une va aussi poser songer pas rien rien vous mettez sur internet là pas rien vous mettez sur online là qui safe vraiment donc ça veut dire qui tout met ton bagage sur Facebook YouTube quelque soit façon lié même si tu as delete li et bien il toujours été disponible online une fois que vous même t'es donc avant que nous même nous poster information personnelle information banque information santé information famille ou quelque soit ça lié qui c'est un bagage qui important pour nous pensez à plusieurs reprises avant que nous même nous poser action sur mes genre de vidéo ça autant prier like subscribe et partager et parce que c'est des informations qui important qui capable permettre tout utiliser internet le plus safe que possible à la prochaine pour l'autre vidéo dans même style.